Hello, voilà, c'est ma première vidéo de haul parce que je me suis acheté plein de trucs en fait hier et du coup je me suis dit que j'allais vous les montrer. Peut-être comme vous me connaissez déjà, j'écris le blog Les Berlinettes depuis Berlin. Et donc voilà, ça c'est les trucs que je me suis acheté. Donc premièrement, je suis allée chez Primark. Je crois que ça vous intéresse pas trop parce qu'il n'y a pas de Primark en France. Mais bon, je vous montre quand même ce que je me suis acheté. Je me suis acheté un blazer. La couleur c'est bordeaux avec des détails en cuir dessus, donc le col est en cuir et la petite poche aussi sur le côté qui n'est pas une vraie poche puisqu'on ne peut rien mettre à l'intérieur, elle est cousue. Voilà, en bordeaux et ça je l'ai payé 27 euros. Ensuite, les trucs qui vous intéresseront un petit peu plus, donc je suis allée chez Pinky, ça fait une éternité que j'y étais pas allée parce que je trouve jamais rien en général. Et là, en fait, j'ai trouvé un pantalon en cuir rouge. Donc, ça sonne un peu bizarre, pantalon en cuir rouge, bon. Mais j'avais vu l'année dernière, pendant les défilés à New York, un pantalon en cuir rouge chez Charlotte Ronson. Et je l'avais trouvé vraiment génial. Du coup, ça fait longtemps que j'en cherchais un. Et là, donc, j'en ai trouvé un chez Pinky. Il est pas mal. Pas mal du tout, même. Il est rouge, rouge un peu foncé. Voilà, vous le voyez mieux si je l'avance vers l'écran. En bas, il y a des détails, en fait. Donc, c'est des coutures. Les coutures, je les trouve pas terribles. Mais vu que j'ai des petites jambes, je vais retourner le pantalon et on verra pas les coutures. Donc ça, c'est génial. Donc, j'ai trouvé mon pantalon pour l'automne. Ensuite, qu'est-ce que je me suis acheté d'autre? Je suis allée chez H&M. Donc là je me suis racheté les mêmes petites baskets que je m'étais déjà acheté au début de l'été, mais vu que mes vieilles baskets ont des trous à l'intérieur, je m'en suis acheté des nouvelles. Voilà, elles sont pratiques, on peut les mettre avec tout. Sinon, qu'est-ce que je me suis acheté d'autre? Je suis allée chez Zara aussi et là j'ai trouvé les bottines, des bottines vraiment géniales. J'avais vu un autre modèle avant. Elles étaient compensées, c'était hyper joli, mais finalement on marchait pas très bien à l'intérieur. Et celles-ci, j'ai eu un petit coup de foudre, donc je les ai essayées et j'ai marché un peu avec. Et franchement, elles sont nickel, elles sont hyper confortables, le talon est pas très très haut. Je les ai payées 80 euros, donc je vous les montre de plus près. Là, c'est en cuir verni devant, pointu, et derrière, c'est en velours, en velours noir. Sinon, comme détail, il y a les fermetures éclair sur les côtés. Donc ça, c'est le côté intérieur de la jambe. Donc ça, on peut fermer la fermeture éclair complètement. De l'autre côté, non, c'est un détail. Donc on peut fermer la fermeture éclair que jusqu'au milieu. Mais je trouve ça joli quand même. Et voilà, je vous montre les deux. Ce sera quand même mieux pour vous. Voilà, les deux. Sinon, je me suis acheté encore chez Zara un péplum avec des broderies noires, un péplum en cuir avec des broderies noires, la fermeture éclair derrière, et ça je l'ai payé 50 euros. Et en fait j'ai essayé avec le jean en cuir de chez Pinky et je me suis dit que jean et, cuir et cuir ça allait faire un petit peu trop, et en fait pas du tout, c'est hyper joli ensemble. Vous ne le voyez pas trop, mais de toute façon, je vais faire des photos pour le blog cette semaine ou la semaine prochaine. Et comme ça, vous pourrez voir ça sur le blog. Donc voilà, c'était mon premier haul. Et j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt parce que je vais continuer à faire des vidéos comme ça. Ciao !